Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit retour d'un test que j'ai fait depuis 15 jours sur un téléphone qui vient de la marque OnePlus. C'est le dernier milieu de gamme, c'est le ACE 5G. J'ai réussi à l'avoir sur la boutique de OnePlus qui est sur le site AliExpress. Dès à sa sortie, en fait, il y avait des prix qui étaient très intéressants. Et quand j'ai vu la fiche technique, j'avais craqué. Donc, je voulais le tester. Donc, la boîte signée OnePlus avec leur couleur préférée, que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai le téléphone. J'ai une coque qui est souple, signée aussi OnePlus. Et j'ai le chargeur, le méga chargeur, avec une capacité, il va jusqu'à 160 watts en charge rapide, ultra rapide. Sachant que le téléphone, sa capacité, c'est 150 watts max. Je pense que c'est le premier téléphone que je teste en 150 watts au niveau de la charge. J'ai eu des Vivo à 120 et il me semble que j'ai eu aussi un Xiaomi à 120. Donc c'est le premier à 150 watts. Alors le téléphone, il a un design aujourd'hui et rentre dans la catégorie des fins 2021-2022. Hein, comme tous les autres téléphones, on ne peut pas le différencier suite au design. Maintenant, ils ont pris tout le design de l'iPhone. Derrière, on voit un doigt un petit peu mat qui accroche un peu, hein, qui ne garde pas les traces de doigts, ce qui est bien. Un module photo qui est composé de trois capteurs, le principal. Et on a deux petits capteurs. Je reviens sur ça tout à l'heure. De côté, on a un bouton power. Côté gauche, on a deux boutons pour le volume plus moins. En bas, on a haut-parleur, très bon son, c'est un stéréo, la charge et on a le porte-carte SIM, pardon. Le dessus, on a juste enfin un micro et puis le deuxième haut-parleur, il est là, intégré. Alors, l'écran, c'est un écran qui est très lumineux, hein, c'est un AMOLED, il fait 6,7 pouces en 29e. La densité 394 ppi. Hein. Je vais essayer d'augmenter un petit peu. Tiens, il est au maximum. On voit la lumière, elle est super lumineuse le téléphone. À l'extérieur, on voit tout. Hein. À l'extérieur, franchement, il n'y a pas de. On peut surfer, naviguer sans problème. Je vais baisser un petit peu de lumière. Voilà, comme ça, je pensais bien. La résolution, alors c'est 1080 x 2412 px en FHD+. Tout ça avec un poids d'un téléphone qui est très, enfin, je ne peux pas dire très, mais il est léger. Et il fait 186 grammes. Et moi, ça me va parfaitement. Donc, il passe inaperçu dans la poche. Sur l'écran, on voit bien qu'il y a un capteur physique digital. Je tapote, voilà, je mets mon doigt, il est ultra rapide. Voilà, et j'ai normalement aussi un capteur selfie. Voilà, il me voit, je me retiens un peu. Hop, il me voit et déverrouille normalement rapidement. Allez, oups. Je suis un peu caché derrière le téléphone. Voilà. 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 Il y a un petit peu de retard parce qu'il y a ma caméra qui me cache le visage un peu. Au niveau de la fluidité, il est au top. Il fait les variables de 60 Hz à 120 le max. Moi, je laisse toujours à 120. Malheureusement, il n'est pas géré automatiquement. Donc, c'est à vous d'y aller dans les paramètres et d'essayer de régler ça à votre façon. Voilà, on va aller dans paramètres. Voilà, rotation, la fréquence, voilà, on a élevé 120 Hz ou on a standard 60. Dommage, j'aurais aimé que ça soit automatique. Donc c'est vrai qu'à ce prix-là, ils font des concessions, ce qui est normal. Le processeur, on n'est plus sur les Snapdragon, hein, c'est un Dimensity 8100. C'est un processeur qui est puissant, hein, qui est très bien d'ailleurs. Et par contre, ce n'est pas le dernier. Hein. Le dernier qu'on trouve, c'est le 2200. C'est un octa-core gravé en 5 nanomètres, qui est très bien. Et on le trouve en deux versions, en 8 et en 6. Le mien, c'est un 8 Go de RAM.
et 128 Go de stockage. Tout ça, c'est géré avec une batterie de 4500 mAh. Je ne peux pas dire que l'autonomie est très très bonne, mais elle est juste moyenne. Là, pour vous donner une idée, là, je le charge par exemple le matin avant de partir au travail vers 7 heures, sachant que la charge, elle est ultra rapide. En 17, 16-17 minutes, de 30% jusqu'à 100%, quoi. Généralement, moi, je charge entre 20 et 30%, quoi. Donc, ça va super rapide. Et pour la batterie, donc je le charge le matin vers 7 heures, et puis le soir, bon, on va dire, je peux, il me reste généralement 40-45% vers 22 heures. Ça m'arrive de charger le soir ou je le charge le matin, en fait, parce que c'est vrai que la nuit, quand il coupe tout, il consomme pas du tout. Donc je peux faire une journée, aller au grand max, une journée et demie. J'ai vu des mieux. Il y en a que j'ai testé, notamment sur des Xiaomi, que je peux faire 2 jours facilement. Donc la fluidité, elle est vraiment au rendez-vous, hein. Et le téléphone est super rapide, c'est du OnePlus, hein, pour les gens qui connaissent la marque. Ils ont gardé toujours cette fluidité, cette rapidité de leur de navigation sur leur téléphone. Au niveau des haut-parleurs, c'est des haut-parleurs qui sont stéréo, hein, qui sont vraiment très très bien. Donc, je vais vous faire écouter un petit peu. On se rejoint aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler d'un produit que j'avais trouvé qui n'était pas cher. Le produit vient de chez Xiaomi, hein. Comme vous savez, la marque Xiaomi, c'est une marque qui a... Voilà, le son est très très bon. Il arrache sincèrement, on peut entendre de loin. Et ce qui est agréable pour moi aussi, juste une petite parenthèse, moi j'aime bien utiliser les haut-parleurs. Donc j'aime bien quand je bricole, je le pose à côté et je peux appeler sur le WhatsApp ou appeler voilà, sur le... Donc j'aime bien parler un petit peu loin. Et c'est vrai que ce téléphone, bizarrement, hein, milieu de gamme, les gens m'entendent très très bien. Et moi j'entends aussi très très bien, le son est très fort. Hein, et la qualité du micro, n'est pas négligeable. C'est vraiment de très bonne qualité. Au niveau de capteurs photo maintenant, on a, comme j'avais dit, on a 3 capteurs. Hein. On a le principal de 50 mégapixels. Il vient de chez Sony. C'est IMX766. Hein. Avec une ouverture 1,88, 50 mégapixels. Et le deuxième, c'est un grand angle, c'est 8 mégapixels. Il vient de chez Sony aussi, hein. IMX355 en ouverture 2,2. Et le dernier, c'est un objectif macro, c'est un 2 mégapixels. Celui-là, il me semble qu'il vient de chez Samsung. C'est un Galaxy Core GC02M1. L'ouverture, c'est 2,4. Le devant, on a un petit appareil aussi, un objectif de 16 mégapixels qui vient de chez Samsung aussi. Hein. C'est un S5K 3P9 et une ouverture 2,45. Au niveau de la vidéo, sinon, on peut filmer jusqu'à 4K. Par contre, la stabilité, elle n'est pas là. Donc, juste pour vous donner une idée, ma déception sur ce téléphone, ce n'est pas le processeur, ce n'est pas la capacité. Par contre, c'est l'appareil photo. Franchement, l'appareil photo, alors là, je peux vous dire, c'est même pas la peine pour les gens qui veulent avoir un téléphone pour faire des belles photos. Vous direz, il ne faut pas se diriger vers ce téléphone. Tout ce qui est multimédia, tout ce qui est appel, tout ce qui est consommer du contenu, il n'y a pas de problème. Par contre, pour faire des photos ou des vidéos, ce n'est même pas la peine. D'ailleurs, pour vous dire, ça a été un petit choc pour moi. J'ai eu des téléphones à 200 balles, ils sont nettement mieux que ça. Pour vous donner une idée, par exemple, je vais vous montrer 2, 3 photos. Alors, je vais vous trouver 2, 3 photos que j'avais mis. Je peux vous montrer tout, hein, c'est du personnel. Donc, alors, un petit exemple. Voilà, j'avais été hier en pique-nique, j'avais pris une photo. Les couleurs sont pas gérées du tout, du tout, du tout. Alors là, c'est pas beau. Il y a plus de noir. C'est pas clair du tout. Et c'est non, c'est pas.
Et on voit là la qualité de l'herbe, qualité de... Non, non. Je vais vous montrer une deuxième. Ça, une photo que j'avais prise sur une noix. Regardez. Une petite noix par terre. Le rendu est juste inacceptable, quoi. Ça, c'est le selfie que j'avais fait. Derrière, regardez les plantes. Oh, franchement, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Voilà, pour vous donner une idée. L'appareil photo, franchement, pour moi, on revient en arrière, quoi. Là, c'est une petite vidéo que j'avais fait Là, je aussi. filme en 4K pour voir la stabilisation, est-ce qu'elle est vraiment au rendez-vous ou pas. Et là, c'est de voir autour de la maison. La qualité après ce que ça donne. On voit des hortensias qui poussent bien, c'est la période. Voilà, juste pour vous donner une idée, en fait, c'est franchement limite, limite. Par contre, en macro, c'est vrai que j'ai réussi à faire des très belles photos macro. Celle-là, par exemple, je trouve elle est très belle. Voilà, les couleurs sont bien gérées. Je vais vous montrer une autre aussi. Ça, c'est l'hortensia que j'avais fait. Là, le rendu est vraiment très bien au niveau de macro. Par contre, le reste, franchement, non, non, non. Suis désolé, hein, je suis obligé de cacher à chaque fois parce que j'ai quelques photos que j'ai fait au perso aussi. Donc voilà, je ne peux pas les montrer, ce qui est normal. Ouais, celle-là aussi. Ça n'est pas belle du tout, on voit même pas, on reconnaît même pas l'hortensia, quoi. Ça là, les fleurs, il y a une saturation, c'est dingue, c'est un. Pfff. Non, c'est pas beau, c'est pas beau. Ouais, le vert est. C'est pas du vert, ça, c'est énorme, c'est pas géré du tout, du tout, du tout. Hein. En mode, tous les modes, non, non. Voilà, donc l'appareil photo, on peut trouver beaucoup d'options. Hein. Il y a un mode nuit qui est très limite. On a vidéo, on a photo, on a portrait, on a 50 mégapixels, on a le macro, on a dans le plus, voilà, on a le mode pro, on a le ralenti, on a un peu film. Film, ça vous donne, voilà, pour faire des petits montages en fait. Voilà, à part ça, voilà, j'ai fait le tour, je pense. Donc, juste pour vous dire, bon, c'est un bon téléphone au multimédia, hein, ou pour voir des vidéos, regarder cela. Mais pour faire des photos, je ne vous le conseille pas. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Là, je filme en 4K. Bon, je pourrais voir la stabilisation. Est-ce qu'elle est vraiment au rendez-vous ou pas? Et là, c'est de voir autour de la maison. Regardera la qualité après ce que ça donne. On voit des hortensias qui poussent bien, c'est la période. Ah.